Alors, j'ai appris qu'il y a un événement particulier qui va venir donc à Montaigu, où vous êtes tous bizarres, un peu tous géniaux. Alors, est-ce que vous pouvez m'en parler, me dire un peu ce qui va se passer donc au parc des Rochettes? Non, pardon. Au parc Henri Joyau. Eh Et oui. pourquoi Joyeux? Pourquoi pas Rochette? Rebaptisé depuis 2-3 ans, hein, Henri Joyau. Voilà. Aujourd'hui, non, on est venu pour vous parler du festival Les Pestaculaires, le festival mythique, tout public, jeune, moins jeune, qui a lieu justement à Montaigu le 31 mai et le 1er juin. Donc dans ce parc mythique qui est un arboretum historiquement, hein, un grand parc avec vraiment des petits espaces magnifiques, des arbres incroyables. Alors par contre, pestaculaire, c'est un peu bizarre ça, non? C'est très sérieux ou il y a un peu d'humour derrière? Il y a beaucoup d'humour quand même, il y a beaucoup d'artistique. C'est la 8e édition du festival depuis 12 ans, hein, qui a fait ses preuves, puisqu'on attend entre 3 000 et 4 000 personnes tous les ans dans cet arboretum, où donc on va retrouver aussi bien des spectacles, des concerts, du cirque et beaucoup d'animations. L'entrée est à prix libre, ouvert à tous et toutes, voilà, en fonction des moyens de chacun et des volontés. DJ, spectacle, comme je vous le disais. Ben d'ailleurs, la programmation, Gaspard. Ouais, donc le vendredi 31 mai, du coup, c'est là où le festival ouvre ses portes. À 18h30, l'ouverture des portes. Ensuite, on enchaînera directement à 19h avec un grand pique-nique partagé tous ensemble avec toutes les personnes réunies durant cette belle soirée. À 19h30, on aura un spectacle, suivi d'à 21h, un deuxième spectacle. Et à 22h, un DJ qui sera là pour animer cette fin de soirée. Ensuite, ce samedi 1er juin, on enchaîne directement avec le plus gros du week-end, tout ce qui est atelier, animation et les spectacles tout au long de la journée. L'ouverture des portes sera à 11h. À 11h45, le premier spectacle. Voilà, des spectacles tout au long de la journée. Je pourrais notamment citer la compagnie Yosuide à 15h30 et à 17h, Monsieur Mouche à 14h30, Pakipaya Shake 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 à 19h et Maboule Distorsion qui présentera la cuisine à 17h. Voilà. Alors, check, 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 ils étaient à Clisson, donc l'heure de l'œil du bouillon. Alors, Exactement. à Clisson, Montaigu, on est quand même vachement proche. Il y a un lien historique depuis de nombreuses années, ça on ne peut pas le nier, on en reparlera un petit peu tout à l'heure, hein, de ces valeurs que distille Arsonic, mais aussi l'œil du bouillon, aussi bien l'asso Musica Sainte-Lumine de Clisson, avec qui on collabore notamment ce week-end, hein, pour le festival, le Small Festival. Et c'est vrai qu'il y a des valeurs associatives et de partage autour de la culture très fortes, et ça va même plus loin, puisque généralement on échange aussi nos programmations, nos coups de cœur. Des spectacles, hein, on le reprécise, de qualité quand même. On va chercher, malgré des financements très légers autour de l'associatif. D'où, ben, merci beaucoup quand même à tous les partenaires, hein, de cet événement, mais même de tous ces événements, puisque c'est une part importante quand même sur les budgets. On a tous, bien sûr, un petit peu de subvention, mais à part aussi des entrées, la volonté de faire des événements à prix libre ou gratuit, c'est des valeurs très partagées et qui sont très importantes. Vous avez parlé de valeurs, quelles sont-elles les autres valeurs? Ah, chez Arsonic, Gaspard va vous expliquer. Ouais, donc durant ce week-end-là, on insiste surtout sur trois valeurs. Celle de l'égalité pour tous, l'accès pour tous, c'est pour ça qu'on a mis un prix libre, comme tu disais, et le développement durable. Tout ce qui est produits locaux, le bio, tout ça. Voilà. Alors bien sûr, en parallèle, hein, c'est des événements culturels où voilà, il y a des recherches de programmation artistique. On va préciser quand même que fermeture des portes, elle est autour de 23h, que ce soit le vendredi ou le samedi. Donc le samedi soir, on a quand même des spectacles jusqu'à 22h, avec en parallèle DJ Renaud et sa camionnetta, un fidèle DJ local un peu foufou qu'on aime beaucoup, qui est plutôt dans une world music, globetrotter, qui sillonne beaucoup les routes d'Amérique du Sud pour ramener des vinyles introuvables chez nous. Alors, il y a des spectacles, mais il y a aussi des ateliers, c'est ça? Exactement. Ouais, c'est ça. Donc, les ateliers, c'est que pendant la journée du samedi. On a un peu de tout pour petits et grands. Je pourrais notamment citer Lire et faire lire, une association sportive du Roudnet, qui est un sport qui s'appelle le Spikeball. Qu'est-ce que je pourrais citer d'autre? Iki Iki, qui sera là pour présenter trois animations différentes, le maquillage, un quiz à la ligne. Ainsi que la vie en rose monochrome. Je vous laisse découvrir ça sur le site internet ou sur nos réseaux. Et au niveau développement durable, alors qu'est-ce que vous proposez?
Alors, il y a beaucoup de choses qui sont en cours de travail, hein, bien sûr. Bon, ça commence tout de suite, hein, bien sûr, par le tri des déchets, la gestion du recyclage et toutes ces choses-là, surtout dans le parc. Alors, c'est des choses qu'on travaille depuis plus de 24 ans dans ce lieu, puisqu'on avait organisé un festival qui s'appelait Les Lunanthropes, où on retrouvait déjà ces problématiques qui étaient mises en avant, puisqu'à l'entrée, on trouvait une grande tour de déchets pour sensibiliser les gens. Donc, la sensibilisation, qui est juste des choses très très importantes aussi, quand même, communication. Bon, les gobelets réutilisables, bien sûr, ça c'est affaire courante. Et plein d'autres choses que vous pouvez retrouver un peu. Il y a une commission vraiment détachée sur le développement durable. On évite tous les déchets en plastique, bien sûr, le bois, les assiettes recyclées, la vaisselle aussi, de plus en plus, hein, on fait ce genre de choses, d'avoir une autogestion sur la vaisselle, qui est donc de la vaisselle de récupération, souvent, que les gens peuvent laver après sur place. Et pensez-vous que les gens sont de plus en plus sensibilisés, justement, par le développement durable, la protection de la planète ? Ben, on l'espère, en tout cas. Mais bien sûr, je pense que c'est un problème majeur, surtout avec les jeunes générations maintenant, mais là, c'est vrai qu'on peut dire que c'est des choses qui ont explosé ces dernières années, et que du coup, même sur des petits événements comme les autres, c'est important d'en prendre compte, de le mettre en avant, mais bon, c'est sûr que le problème, il est global, et que des énormes événements doivent aussi montrer l'exemple, et surtout, je pense qu'au niveau politique et implication gouvernementale et internationale, il y a des choses énormes à développer. Oui, enfin, nous, on est plutôt jeunes, je dirais, dans les années 80, on y pensait déjà quand même. Exactement. Ouais, c'est des choses sur lesquelles j'étais sensibilisé très jeune via mes grands-parents qui sont agriculteurs à la base. Et c'est vrai qu'on a eu un saut de génération. Moi, j'ai appris à vivre sans le plastique, à faire ses légumes dans le potager. Les supermarchés n'étaient pas ceux qu'ils étaient. Alors, bien sûr, tout ça est géré par l'association Arsonic. Quelle est-elle donc ? L'association Arsonic est une asso culturelle qui est née en 1991 à Montaigu, qui a réuni une bande de jeunes à l'époque, un peu rock'n'roll, mais aussi liée à l'animation, aux valeurs d'éducation populaire, qui ensemble ont créé des événements un peu magiques, on peut le dire, et surtout ça a écrit quelque part les grandes lignes de l'histoire associative montacutaine, puisque dès le début, il y a eu beaucoup de concerts, des fêtes de la musique, mais aussi des festivals d'enfance, le festival de l'enfance, du coup, la journée de l'enfance, on pourrait même l'appeler, qui a eu lieu sur deux éditions, 93 et 1995, au lycée Léonard de Vinci, et c'était des événements très lourds à porter, mais qui ont été des réussites, et depuis, voilà, il y a toujours eu cette volonté de développer des choses pour les enfants, et pas faire que des concerts pour les grands, les ados et les parents. Et c'est le retour des Pestaculaires en 2012, hein, vraiment le projet maintenant qui est devenu central autour de l'association Arsonic, qui perdure un peu cette transmission intergénérationnelle, puisqu'aujourd'hui, on peut le dire, il y a beaucoup d'enfants des fondateurs de l'association qui sont impliqués dans cette vie associative. Alors, à savoir qu'en parallèle, Arsonic est l'association, on va dire, mère d'un collectif qui s'appelle le collectif Y croit quoi. Elle est cofondatrice de ce collectif en 1998, avec 8 autres associations, Y croit quoi. Et ce collectif a été créé pour créer une salle de diffusion, une salle de concert, et avoir surtout la reconnaissance de l'activité culturelle des associations sur le territoire de Montaigu, mais plus largement du Sud-Loire, puisque c'est des valeurs qui sont partagées, comme on le disait tout à l'heure, avec pas mal d'assauts de Clisson, du Vignoble, je dirais même du côté de Recherrière, voilà, sur tout ce territoire, hein, à 30 km à la ronde, qui draine beaucoup de gens et de bénévoles, et qui viennent justement échanger chez nous, mais on va aussi travailler chez eux, et c'est ce qui fait un peu la force de cette dynamique, qui maintenant a abouti à la création d'un lieu qui s'appelle Le Zinor, hein, à Montaigu, que vous connaissez certainement, une salle de concert de 200 places, autogérée par un collectif donc, qui a maintenant 25 ans, dont Arsonic est cofondateur. Donc, pour résumer, rendez-vous le 31 mai et le 1er juin à Montaigu, au parc Henri Joyau, anciennement parc des Rochettes.